tout le monde, Steiner. Aujourd'hui, on se retrouve sur un amplificateur pour smartphone, donc qui permet de zoomer, enfin d'avoir un plus gros écran sur son smartphone. Donc, hop. Donc ça, c'est petit, comme on peut voir. Voilà. Donc je sais pas si vous comprendrez un petit peu, voilà, un screen magnifique. Donc en gros, on met le téléphone derrière et l'image est regrossie par rapport à ça. Donc bon, là malheureusement je peux pas vous montrer parce que j'ai pas l'autre téléphone pour filmer et pour vous montrer. Hop. Donc c'est une boîte en carton a priori très très simple, très classique. A priori c'est casse-couille à l'enlever. Hop. Donc elle a l'air d'avoir une vitre une vitre en plastique, une Pepsi glace, un truc comme ça, je crois qu'on appelle ça. Donc voilà, bon, j'ai pris en couleur un petit peu du coup bois, qui est très très charmant, hein, ça prend un petit peu bois, il est très très bien. Il a l'air d'être assez agréable à utiliser leur bois. Et puis là, après, comment que ça marche? A priori, ça se tourne comme ça, comme ça. Ah, voilà, là, il a l'air d'être aimanté. C'est un peu compliqué à comprendre comment que ça marche, surtout que la pas de notice en plus, ça se met bien comme ça. Est-ce que le scotch là ça s'enlève ou pas? Je sais pas, c'est vraiment bizarre et la pas de notice, rien du tout, donc en plus ça devient un petit peu compliqué. Et puis voilà, bon après le tarif est de 16,99€, donc voilà, c'est pas si excessif que ça, ça reste assez correct. Ouais, je vais regarder s'il a vraiment pas de notice. Non, il a vraiment pas de notice. Bon, c'est derrière la notice. Donc, ok, donc ça, ok. Ok, bon, c'était simple en fait, il fallait juste le tourner de l'autre côté pour que ça fasse. Voilà, comme ça, et ça, ça, ok, on enroule. Ça, on le lève, on l'ajuste. Et puis là, ça qui doit théoriquement bouger. Je pense que c'est ça là derrière qui doit bouger. Ok, voilà. Et voilà, ça se met du coup comme ça. Après, on l'ajuste au niveau de l'angle a priori. Mais bon, ça va pas l'air d'être bien ajusté comme ça. Hop. Ouais. On ajuste l'angle, ouais, bon, enfin. La notice, ouais, c'est pas si ouf que ça, c'est pas très bien expliqué. Donc voilà en gros un peu à quoi ça ressemble. Hop, on met le téléphone là normalement, puis ça va grossir. Donc on va tester, ben là je vais mettre la tablette. On va voir vraiment ce que ça donne avec la tablette. Je pense pas que ça va donner un effet super super ouf. C'est vraiment juste pour regarder, quoi, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Ah si, ouais, ça zoome un petit peu. C'est dommage que là c'est la tablette et j'ai vraiment pas de téléphone pour vous montrer. Je suis vraiment dégoûté. Hein. Ah ouais, je sais pas trop ce que ça va donner comme ça. En plus de ça, vous êtes pas à la hauteur du truc, c'est un peu. Ça, ouais, c'est un peu compliqué là. On va le laisser comme ça. Je vais essayer de vous remettre à la hauteur du truc. Donc je vais descendre ça pour essayer de vous mettre un maximum à la même hauteur pour voir un peu à quoi ça ressemble. Hop, je suis désolé vraiment pour les vibrations. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble légèrement, étant donné que là c'est avec une tablette qui est déjà assez grosse, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, du coup on voit quand même bien à travers. Donc là, vendu par, on a le vendeur. Hop, là on voit l'image. Donc Swiss, là votre angle à vous, on voit bien. Mais à mon angle à moi, je suis un petit peu plus bas. Donc on voit pas très bien non plus, donc hop, après voilà, si je zoome sur l'image, ça rend peut-être un peu mieux du coup sur un téléphone et puis sur un film. Donc voilà, là on peut voir mon doigt, donc oui, ça fait quand même un sacré gros zoom. Hop, on voit quand même bien écrit, hein. J'enlève le truc, je suis pas sûr que vous arriverez bien à voir. Ouais, ça fait vraiment pas aussi gros, quoi. Je vais essayer avec du papier, avec une écriture, ce sera peut-être mieux. Je vais essayer de trouver, ouais, un truc à vous montrer en format papier. Je vais essayer, oui, là c'est un peu compliqué.
Pour son tarif, ça m'a l'air d'être correct. Après, à voir vraiment sur le long terme, je pense que ça peut donner quelque chose de bien. J'ai pas de papillon non plus, j'ai vraiment rien là. Voilà, un petit papier un petit peu à la con, juste réellement pour vous montrer, c'est juste un papier que j'ai trouvé là comme ça, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pas un truc bien ouf, mais j'espère que ça fera bien l'affaire. Donc voilà un peu du coup ce qui est écrit. Donc voilà, bon, c'est déjà écrit dégueulasse, c'est parfait pour être lu, pour être lu, mais voilà un petit peu à quoi ça va du coup y ressembler. Si ça zoome quand même bien, ça zoome quand même bien. Je vais tester ça, ben ouais, n'hésitez pas à me le demander en commentaire si ça vaut réellement le coup. Si c'est réellement bien, ça fait vraiment bien son taf. Parce que là, je pense que quand même, ça a de l'avenir, on va dire. Enfin, ça a de la possibilité que ce soit quelque chose. Ah, si, on voit bien la marque là du. Ouais, ça zoome bien. Donc, je pense que la moyenne de faire quelque chose. Après, bon, là, sans vidéo et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, je vais tester tout de suite à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou sur Discord ce que j'en pense réellement en regardant une vidéo, un film et tout ça là-dessus. Si ça grossit bien, si c'est vraiment bien, bien sympathique. Parce qu'après, voilà, un écran de téléphone, c'est quoi? C'est. Allez, je crois, ça doit être. Allez, on va dire 10. 10 pouces. Voilà, on va dire. À peu près, on va dire 5 Samsung Galaxy Note. Hop. À peu près 10 pouces. Donc, 10 pouces, je sais pas ce que ça donne, mais je pense que ça fait, ouais, un truc comme ça. Donc là, on raccourcit. Ma tablette, c'est une 11 pouces. Bon, là, elle est un peu grosse avec la coque. Ouais, c'est peut-être un peu un 10 pouces. Un 10 pouces en format rectangle. Donc voilà, après c'est pas. Après pour le rangement, c'est simple aussi. Du coup, c'est hop. Ça, on le remet là-haut. On met ça là pour le protéger. Et voilà. Et au final, c'est un peu en format un peu tablette, en format un petit peu bouquin, quoi. Donc c'est pas si dérangeant que ça. Ça se range assez facilement. Hop, on le range sous un livre, sous un meuble, enfin dans un meuble comme ça prend pas trop de place, c'est pas très gros, j'ai pas les mesures non plus, mais voilà, c'est pas très gros, c'est 16,99 €, donc 17 balles, c'est pas trop cher. Moi je trouve ça assez correct, après avoir réellement dans des films, des vidéos, ce que ça donne, si c'est vraiment bien ou pas, et puis voilà, après c'est un déballage assez rapide, hop, on fait ça en boucle, hop, et voilà quoi, en 2 secondes c'est mis, on peut regarder un film assez agréable, assez sympathiquement quoi du coup. Puis normalement ici on pose le téléphone, ça évite qu'il glisse et on n'a pas besoin de tenir le téléphone avec ses deux mains, hop, pour regarder une vidéo. Donc je pense que ça peut être sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ce que j'en pense réellement, si ça vaut le coup ou pas. Et puis voilà, là, ça va être un peu avec mon ressenti, là je vous ai présenté un peu le truc, mais voilà, je peux pas faire mieux à ce niveau-là quoi. Donc je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo.